Alors, hey, salut, bonjour à tous. J'ai une tête de con là, non? Ouais, mais ça c'est la transpiration. T'as vu la montée que je viens de me taper? Bon, j'espère que là où je vais aller, il y aura un peu moins de montée. C'est ni fait ni à faire, cette tête. On la refait. Bonjour à tous. Je vous mets dans un endroit qui est quand même vachement sympa. On est sur les hauteurs d'Empuy, en plein vignoble, Côte-Rôtie, Condrieu, tout ça. Enfin, des bons vins, a priori. Mais bien dans le vignoble et bien sur les petites côtelettes du Côte-Rôtie. Voilà, pour vous dire que j'ai envie de remettre le couvert et de ressortir le petit Zello pour un nouveau voyage cette année. J'ai tergiversé assez longtemps pour savoir si je partais ou pas. Plein de raisons, coronavirus, etc. bien sûr. Mais je pense qu'il faut mieux lancer le projet et puis peut-être l'abandonner si jamais c'est obligé, que de pas faire pour cause de se dire je fais pas, allez. Alors du coup, voilà, cette année, je repars et j'ai envie de vous emmener avec moi une nouvelle fois parce que l'année dernière c'était chouette. Alors je m'y prends un petit peu plus tard, je sais pas si je pourrai croiser beaucoup d'entre vous, mais avant ça vous allez me dire où il va faire tourner ses roues le petit. Cette année j'ai envie d'aller voir la Bretagne, donc ami breton, me voilà. Me voilà bientôt, puisque ça devrait être la deuxième et la troisième semaine d'août que j'ai envie de faire ce petit périple. Et où exactement? Alors le parcours n'est pas complètement figé, mais je pense que comme l'année dernière, j'ai une bonne expérience de suivre les voies cyclables, parce que déjà ça roule bien, c'est plus pratique avec le tricycle, et puis on a notre rythme, on n'est pas perdu avec les voitures, et ça c'est chouette. Du coup, en fait, je risque de partir de Nantes. En fait, je vais faire une boucle. Je vais faire un Nantes-Roscoff pour finir la Vélodyssée jusqu'à Roscoff. Bon, peut-être pas Roscoff, mais comme j'ai un bon souvenir de Roscoff, je pense que j'irai peut-être jusqu'à Roscoff. Après, la côte nord jusqu'à Dinan ou Saint-Malo, peut-être Dinan-Dinard, je ne sais plus lequel est là-haut. Et puis après, retour à Nantes pour boucler la boucle. Voilà. Donc, je vous remettrai le parcours, je vous remettrai des liens et tout ça pour essayer de voir si je peux vous croiser, si vous pouvez, aussi si vous avez envie de faire un petit tour avec moi, une petite étape. Hein, j'essaie de caler les étapes et tout ça. Et je pense que ça va être chouette. Alors, je vous dis à bientôt sur la route. Allez, salut, bye bye. Bon, moi, je me casse parce que c'est pas le tout. Mais... il est tard et il va falloir rentrer un petit peu à l'atelier. Hop. En route, mauvaise troupe. Ah oui, et au fait, si tu te demandes ce que ça peut être ce Zello Voyage, je t'invite à regarder dans la description, tu y trouveras la playlist des vidéos du voyage de l'année dernière. C'était un chouette moment, partagé avec plein de gens, et à aller voir quoi. Puis, si tu te dis, il y en a marre de ces vidéos de voyage, moi je veux voir de la fabrication bois. Peut-être que je ferai une vidéo sur cette bibliothèque à la rentrée. Hein, ça serait pas mal. Vous en dites quoi? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis mettez un pouce. Et puis abonnez-vous. Et puis, on s'en fout. Fais ce que tu veux. Alors, je fais ce que je veux. Je fais des vidéos de mon voyage parce que j'ai envie d'aller à votre rencontre. Et ça, surtout, c'est quelque chose de chouette. Allez, bonnes vacances et à bientôt tout le monde!